ce que j'essaie vraiment de faire, c'est de photographier les gens au repos, dans un état de sérénité. Irving Penn est un photographe de mode, de portrait et de nature morte qui a particulièrement marqué la moitié du XXe siècle par son style sobre, élégant et très graphique. C'est l'incroyable photographe que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Né en 1917 dans le New Jersey, Penn s'engage dans des études de design graphique au cours desquelles il fait un stage chez Harper's Bazaar, l'un des deux grands magazines de mode de l'époque. Il y suit les traces d'Alexei Brodovitch, son professeur et mentor, qui incorpore dans le magazine la photographie et l'art contemporain de l'époque. En 1941, il décide de partir au Mexique, l'Europe n'étant pas exactement un endroit très accueillant à cette époque. Son ambition est de devenir peintre, mais les résultats le déçoivent et il finit par détruire toutes ses toiles avant de revenir à New York. Il travaille alors chez Vogue, sous la houlette d'Alexander Lieberman, qui finit par lui mettre un appareil photo entre les mains, ce qui sera le début d'une longue et brillante carrière. Sans pouvoir être complètement exhaustif, je vais me concentrer sur quelques-uns de ses travaux qui illustrent bien l'évolution de son œuvre au cours de sa vie. Et je vais commencer par ses portraits de célébrités réalisés en 47 et 48. Il photographie des personnalités telles que Salvador Dali, Igor Stravinsky, Le Corbusier ou encore Alfred Hitchcock, avec un parti pris complètement opposé à celui de l'époque. Penn isole ses monuments vivants entre deux parois comme s'il les mettait au coin, ou encore assis sur un tabouret recouvert d'un vieux tapis. Il les met ainsi un peu mal à l'aise dans le but d'enlever tout ce qui vient avec la célébrité et notamment les réflexes face à la caméra pour ne garder que la personne elle-même. Ces sujets ont ainsi l'air très différents par rapport à l'image que le public a l'habitude d'en avoir à l'époque. Et ce style épuré et anticonformiste ne passe pas inaperçu dans la presse. Et puisqu'il travaille chez Vogue, la force des choses mène Penn à devenir photographe de mode dans la fin des années 40 et là encore, il va révolutionner le genre. Il choisit là encore de traiter la photographie des vêtements et des modèles de manière très épurée, graphique, en complète opposition avec la mise en scène un peu grandiose en vogue à l'époque, de type tableau vivant, dont Penn trouve qu'elle ne met pas en valeur les vêtements. Il travaille si possible en lumière naturelle dans de grands studios orientés nord et se met à utiliser en 1950 un vieux rideau de théâtre comme fond de ses images dans la continuité de ses portraits de célébrités. Les images sont très graphiques, minimalistes et sont tout autant des portraits que des photos de mode. Les modèles ne sont en général pas souriantes sur les images, plutôt réservées, ce qui donne un côté mystérieux à ces photos qui feront la couverture de 165 numéros de Vogue au cours de sa carrière. Mais limiter Irving Penn aux robes haute couture serait manquer une grosse partie de son œuvre. En 1948, Penn se rend à Lima, au Pérou, pour un shooting de mode, mais décide de rester sur place quelque temps pour aller à Cusco, dans la cordillère des Andes. Il y trouve un studio en lumière naturelle qu'il parvient à louer pour quelques jours, qui seront véritablement frénétiques pour lui. En l'espace de 3 jours, il prendra 2000 photographies des habitants de la ville, payées pour poser et rabattues dans la rue par des assistants, qui l'aident également à changer de pellicule et d'appareil rapidement pour rentabiliser ce temps.
Il ne s'arrête qu'à la tombée de la nuit, le soir de Noël, et ce travail sera très important pour lui, car il préfigurera deux œuvres. Tout d'abord, son travail sur les petits métiers, qui sera le plus grand corpus de sa carrière. Il commence à Paris en 1950, puis poursuit ce travail à Londres et à New York. Dans les trois villes, il trouve un studio qui lui convient, avec, vous l'avez deviné, de la lumière naturelle et une toile de fond peinte qui ressemble fort à son vieux rideau de théâtre. Les assistants de Penn lui ramènent des ouvriers, des vendeurs de rue, des boulangers, des rémouleurs, des bouchers, des garçons de café que Penn photographie dans son style formel, minimaliste, créant ainsi un incroyable témoignage sur la vie quotidienne de la moitié du siècle dans un monde qui sort tout juste de la guerre. La seconde œuvre préfigurée par son travail à Cusco est sa série de portraits ethnographiques réalisés à la fin des années 60. L'aventure commence au Dahomey, l'actuel Bénin, où il trouve le contexte qu'il lui faut pour ce travail, c'est-à-dire établir un studio, où qu'il aille, avec un fond neutre et une lumière naturelle. Il assume ce choix car, je cite, « il préfère une stylisation qui lui semblait plus valable qu'un naturalisme simulé ». Il continuera ensuite ce travail en Crète, en Espagne, au Népal, au Cameroun, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Maroc. Comme vous commencez maintenant à connaître son style et que la force de ses images parle d'elle-même, je vais vous laisser en regarder quelques-unes. Je pourrais encore parler longtemps du travail d'Irving Penn, mais il y a une série sur laquelle je veux attirer votre attention, celle des mégots de cigarettes. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. C'est probablement la série qui m'a le plus marqué lors de l'exposition rétrospective organisée l'année dernière au Grand Palais pour le centenaire de sa naissance. Exposée pour la première fois en 1975 au MoMA à New York dans la compréhension générale, ces images interrogent encore aujourd'hui. J'ai vu des gens interloqués au Grand Palais et je sais déjà que certains parmi vous ne comprendront peut-être pas immédiatement. Pourtant, les gigantesques tirages au Grand Palais m'ont véritablement arrêté sur place. Pour Irving Penn, tout peut être poésie. Les mégots s'affichent comme des vestiges d'une civilisation passée, presque comme des momies ou des êtres calcinés. Mais surtout, cette série se place dans le contexte d'une ville de New York qui est très mal en point à l'époque, entre criminalité, corruption, grève, attentats et difficultés financières. Photographier de vieux mégots prend alors tout son sens. Pourrait sans doute être trois fois plus long car Irving Penn le mérite, l'un des plus grands photographes de la moitié du XXe siècle, aussi confortable en photo commerciale qu'en photo d'art, Penn a véritablement continué à évoluer toute sa vie. Il connaissait parfaitement la lumière, prêtait une très grande attention aux détails et s'est également beaucoup intéressé au tirage, notamment en expérimentant avec la technique du platine palladium, comme le fait aujourd'hui Nick Brand dont je vous ai parlé dans un précédent épisode. Anticonformiste pour son époque, Irving Penn marquera de nombreux photographes qui marcheront dans ses pas, notamment Anil Bovis dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, mais son style élégant, sobre et graphique restera inimitable. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille très vivement l'incroyable catalogue de l'exposition au Grand Palais, un imposant ouvrage très complet avec un riche récit de sa carrière et des photos d'une très grande qualité. Pour finir, je vous laisse avec quelques portraits de plus, dont celui de Pablo Picasso, probablement ma photo préférée de l'exposition qui m'a véritablement happé pendant plusieurs minutes.